reviens foutre la merde. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe. T'as senti l'équipe. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Zizou ? Oui, mon frère. Mais tes orteils, ils ont quoi ? Mon frère, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord ? Ils ne sont pas d'accord. Les gars, c'est quoi ce que dit tout le monde ? Oh ! Oh ! Oh ! Il y a rien de femme là ! Oh ! Oh ! Zizou, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu cries sur eux tous là ? Oh là, il est tombé, c'est pas gentil ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une femme de cuisine ! La femme de cuisine ? Elle a préparé beaucoup de semaine ! Elle a préparé beaucoup de semaine ! Il en reste deux. Sur le programme. C'est qui a mangé de... C'est fatigué, c'est mangé ou fatigué? Moi, mangé un. Ouais. Un seul. Lui, il a mangé qu'un seul. Un. Qu'est-ce que tu as? Regarde, je te cache, regarde. Tu te caches, toi? Tu en as mangé combien, Marwan? Hein? Tu en as mangé combien de semaines? Allez, vas-y. Un. Hein? Avant, c'est combien? Un, plus un. Un plus un, trois. Regardez, il est mort, regardez. Il m'a regardé en fait. Eh, ce genre de message-là, ça me met hors de moi. La meuf, elle a acheté un singe, parce qu'elle a vu les vidéos de moi et Mowgli, elle a trouvé ça cool, bon. Ok. Elle n'arrive pas à s'en occuper, elle veut s'en débarrasser, elle m'envoie un message. Parce qu'elle a pas de sous, parce que, bref. Eh, vous vous rendez pas compte à quel point un singe, c'est trop de responsabilité. C'est pire qu'un bébé humain. Ça demande trop de temps, ça demande de l'affection, ça demande de l'argent, ça demande... C'est... Vous savez, moi, Mowgli... Je l'ai acheté juste parce que si je l'aurais pas acheté, il serait mort. Parce qu'il avait un harnais ici au niveau du cou. Il était dans une cage avec 15 autres singes. Il m'a fait de la peine, c'est pour ça que je l'ai acheté. Un jour, pingouin, respire avec les fesses. Il s'assoit et il est mort. Pourquoi tu es... L'équipe, on commence par le trip de Safine et Atis. Ils ont décollé de Casa directement pour Paris. Bon, à Paris, ils étaient un peu dégoûtés parce qu'ils avaient 4 escales. 3 heures d'escale et on repart jusqu'en Éthiopie. Bon, nous sommes le 19 juillet à 7h59 du matin. Nous sommes en Éthiopie. On vit comme des SDF. Ça va faire maintenant 12 heures qu'on n'a plus internet. On n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur. 4 heures plus tard, on repart et ils sont enfin arrivés au Zimbabwe. Qu'est-ce que c'est ça ? Regarde, il crache du feu. On passe maintenant à l'équipe de dernière minute, Fares et Sifbou, qui devaient eux aussi prendre l'avion de Marrakech, mais qui ont dû partir en car jusqu'à Casa. Et une fois à Casa... Notre enregistrement. On est toujours dans la course pour les 50 000 euros du Pérou. Faut juste faire attention parce que quand tu reviens dans tes valises, tu peux revenir avec 10 kilos de coco. Comme tous les autres, décollage maintenant pour Paris, CDG encore une fois. Yeah, c'est parti pour 12h30 de vol. De faire les ablutions. Direction le Le repos c'est fini, maintenant c'est 12 heures de vol à l'autre bout du globe, au Pérou, mais ils ne sont toujours pas arrivés. La team Dadji et Luki, eux, ils sont partis directement de Casa. Avion, Casa, direction la Turquie, Istanbul. Dadji, Dadji, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? On a l'avion dans 10 minutes.
et d'Istanbul directement Ouzbékistan. Passons maintenant à Ben et Tipay de la Hashmi Family. Départ Marrakech en car, direction Casa. Ils ont intérêt à gagner, je vous jure, ils n'ont pas intérêt à me foutre la honte. Arrivé à Casa, ils ont pris l'avion. La la la, mamma mia. Casa, c'est parti, décollage pour Paris, aéroport de CDG. Ils ont toujours la pêche, ils sont chauds, j'espère vraiment qu'ils vont pas se faire éliminer dès le début. Ils repartent à l'autre bout du monde, direction Buenos Aires, mais ils ne sont toujours pas arrivés. Le groupe des deux filles, Camélia 92 et YMC. Elles devaient décoller de Marrakech, mais finalement leur vol a été annulé. Elles en ont eu des galères. Du coup, elles ont dû partir en car jusqu'à Casablanca. Une fois arrivées à Casa, elles sont arrivées en retard à l'aéroport. Bien évidemment, elles ont galéré, elles ont raté leur vol. Elles prennent le vol suivant, direction Paris, aéroport de Charles de Gaulle. Une fois arrivées à Paris, j'en ai marre d'elles. Elles ont fini par redécoller et cette fois-ci, direction Tokyo, directement vol de 13h. Malheureusement pour elles, elles ne sont pas encore arrivées. Passons maintenant à l'équipe de Wakilou, Farah de la team Nasdas et Anaïs. Ils ont décollé du Maroc, bon, ils sont arrivés en retard à l'aéroport, rien d'étonnant, ils ont galéré comme jamais, mais ils ont bien eu leur vol. Direction Paris, aéroport de CDG. Des galères de bagages, on leur a perdu, mais ils les ont retrouvés et ils ont fini par redécoller pour le Danemark. Ça va, je suis arrivé à... Je suis venu d'ici déjà. Danemark, tout le monde parle anglais, je comprends rien. Ça m'apprendra à écouter à l'école. Là, on arrive dans notre pays, pays de banquise. 3 heures d'escale et direction le Groenland. On peut dire que là, l'aventure commence maintenant. Go aller chercher l'objet le plus insolite. Au fait l'équipe, j'ai même pas précisé, mais faut savoir que la Hashmi House, ça coûte énormément d'argent. Juste là, ils sont partis aller-retour les billets, c'était 35 000 euros, tu vois. Et il n'y a pas de marque derrière, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de manager, il n'y a même pas de monétisation Snap. Ok, je suis top 1 Snapchat, alhamdoulilah, Dieu merci, 3 millions de vues, mais je prends pas un euro. Il n'y a pas de pub entre mes stories, je récupère rien. Voilà, c'est financé seulement avec l'argent qu'on fait à côté dans le halal, alhamdoulilah. Voilà, je tenais juste à le préciser, il n'y a personne derrière, c'est fait par nous, pour vous. Regarde la prochaine vidéo avant que je vienne chez toi. T'as vu? J'active la cloche, je m'abonne. Regarde la prochaine vidéo, s'il te plaît, frérot. Parce que après, je vais bipper le manager. Voilà. Parce qu'il est tarpin costaud. Je rigole la famille. Regarde la prochaine vidéo.